Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve en train de marcher. Nouveau concept. Plus sérieusement, on se retrouve, comme vous l'avez pu le voir dans le titre, pour essayer d'enlever ma crainte des chevaux, ma peur précisément. Donc là, il est à peu près midi, un truc dans le genre. On est en train de marcher, on en a pour 30 minutes de marche, un truc dans le genre. Ça fait beaucoup. Mais voilà. Donc en fait, on marche pour se rendre chez une connaissance à ma sœur qui a des installations tout simplement et qui va nous les prêter. Donc pour ceux qui connaissent les voitures, pour ceux qui connaissent, elle va nous prêter son rond de longe et sa carrière. Voilà. Après, du coup, on va faire du travail à pied. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas travail à pied, bah, c'est la longe, etc. C'est tout ce qu'il y a à faire sans être sur le dessus du cheval. Donc là, on est en train de marcher, comme je vous l'ai dit. Au passage, excusez-moi si j'ai mes lunettes, mais bon, on est en plein cagnard. Donc, lunettes de soleil obligées. Et si je bouge beaucoup, c'est que la caméra est lourde. Et que je sais pas du tout si je suis bien cadrée parce que je n'ai pas de retour de caméra. Voilà, voilou. Donc voilà, donc là ils sont en train de marcher juste devant moi les deux. Donc il y a d'abord Apollo et après Siska. Donc je vous filmerai des petits bouts, j'ai déjà commencé à filmer. Et voilà. On n'a même pas fait 10 minutes de marche. Bon, et ben voilà. C'est une heure. On arrive enfin. Je suis toute transpirante, dégueulasse. Je suis pas à bout parce que j'ai fait pire. Mais bon, en plein cagnard, c'est pas la meilleure solution. Voilà. Du coup, bah, le chemin s'est bien passé quand même. Juste avant, j'ai dû tenir Siska parce que bah, ça devait passer un coup de fil ou je sais pas quoi. J'ai un peu flippé, mais ça allait. Surtout qu'elle est tranquille au moment. Qu'elle n'a pas le train, le train, n'importe quoi. Bref, voilà. Allez, bouge tes fesses. Voilà. Donc là on est arrivé. Et c'est quand même une heure. Je pense qu'on va tous se caler pour bouffer. Parce que bon, c'est pas que j'ai faim mais un peu. Bref, voilà. On est là. Oh là là, place au travail maintenant. Dice baba, y yo acá me he quedado con la palabra en la garganta. Tantas cosas nos pasaron, ni una sola la he olvidado. Porque demonio me ha dejado mal parado. Con una carta en el bolsillo, recayendo nuevamente con los cigarrillos. Falto de brillo, haciendo ruidos raros como uno de esos grillos. Es que tu ausencia me hace daño cual cuchillo. Me ven borracho en bares, arrochando en todos los lugares. Con las más fáciles de las mujeres, hablando solo como un loco, contándole mi rollo a los extraños. Se escucha, yo te extraño. Tú eres el único problema y el único reparo. Con solo decirte que ya ni me paro. Me siento todo el día mirando tus fotos. Esto duele más que un jab de Miguel Cotto. Sueño contigo, por eso digo que el despertar es mi enemigo. No encuentro abrigo, a donde voy todo está helado. Sobre todo porque miro al lado y no te tengo a mi costado. Rap con huesos de bolero, amarte duele para ser sincero. Si fuera un dígito sería el cero. Te fuiste lentamente y desde lejos volteaste triste y me miraste diferentemente. Si tú no vuelves me muero. Siento
siento a la vida tan vacía. Recuerdo hasta los mínimos detalles de los días que conmigo amanecías. Tus muecas, tus pecas. Desde que te fuiste se quedó sin letras esta biblioteca. Ya ni sé cuánto pasó, pareciera que hasta el tiempo desapareció y nunca amaneció. Aunque todos digan que esto no tiene sentido, seguiré esperándote en el mismo sitio arrepentido. Por favor reaparece antes que sigan pasando como nubes negras estos meses. Me ven como un fantasma que murió por pena y su condena es pensar por siempre en una dama que es ajena. Tu ropa, tu aroma, todo lo que implica y simplifica esa belleza de persona. Lo llevo cada día como dije en su cadena. Lo llevo como lleva roja sangre estas venas. Ay, háblame, mírame, dame una señal. Di que hay esperanzas aunque siempre estuve mal. Dime que existe alguna forma de retroceder el tiempo y corregir ese momento en el que te perdí. Ahora son polillas los que fueron colibrí. Son de piedra las promesas que te di. Y aunque me dicen que no vuelves cuando sea viejo, yo podré decir que a esta espera eterna nunca desistí. Si tú no vuelves me muero. Me revoici, c'est 2h10, donc on a mangé les sandwichs qu'on avait fait, donc jambon beurre, on a bu etc, et là on a bossé 6-4, vous avez vu les vidéos juste avant, voilà, donc j'ai eu moins peur d'elle en sachant que c'est la jument où j'en ai le plus peur en fait, parce que ça fait bien un moment qu'on l'a, peut-être 5 ans je crois si je dis pas de conneries, et en fait j'ai jamais réussi à m'en approcher, et là j'ai réussi à être dans le rondon avec elle en les faisant marcher. C'est bien un bon début. Mais ouais, du coup, genre, il y a un truc que je savais, c'est qu'il fallait avoir le feeling avec les chevaux, mais je l'avais jamais vu de moi-même. Et en fait, c'est vrai qu'il faut avoir un feeling, etc. Et du coup, voilà. Donc là, ça va être au tour d'Apollo, qui va être facile à travailler, je pense. Enfin. Mais bon. Voilà, on verra comment ça se passe. Bye.
Voilà, il est 15h51 précisément. On est sur le retour. Donc, on a bossé les deux. En fait, on a bossé Siskia. Après, on les a laissés au pré. Pas au pré, à la carrière. Quelques minutes, comme ça, ils se revoient parce que les deux séparés, c'est une catastrophe. Et après, on a bossé Apollo. Et après, on les a laissés un peu. On s'est posé. Pas deux minutes et désolé ok il y a des gens derrière et du coup ouais on a bossé les deux là on est sur le retour c'est reparti pour une demi-heure de marche wow courage à moi non mais là ça devrait aller et voilà c'est déjà une bonne étape de fête et honnêtement, j'en ai eu moins peur Siska. J'ai réussi à la faire avancer. Alors là, c'était un truc que j'aurais jamais pensé le faire. Et bah voilà, j'arrête pas de bouger, c'est relou. Bah du coup voilà, le chemin du retour il va bien se passer puisqu'ils sont calmes. Je savais qu'en une journée, j'avais pas claqué des doigts comme ça et la confiance elle revenait pas du tout. Mais c'est juste un faut partir d'un début en fait, tout un commencement et je me suis dit bah pourquoi pas, il y a les deux, ils vont y aller au lieu que je reste toute seule chez moi toute une journée, je me dis bon, t'as rien à faire, écoute, vas-y et on verra comment ça se passe et si vraiment c'est mort ou si ça peut se renouer en fait. Et je sais très bien que bah ça peut se renouer en fait. Faut juste que j'y mette de la bonne volonté et le temps et voilà, faut que j'aille plus souvent dans mon jardin pour les voir, les caresser, etc. Mais voilà, c'était une bonne expérience. J'espère que ça vous aura plu. Puis même si vous n'avez pas vu énormément de choses quand moi je les approche, j'avoue que je ne suis pas y aller énormément dans le truc. Mais pour moi c'est pas mal déjà, j'ai réussi à travailler 6K et j'étais plus confiante en fait déjà. Mais au moins ça m'a fait une petite sortie, j'ai pu marcher dans une heure en tout. Trop d'éther. Et ouais, puis comme ça, ça m'a fait une petite sortie. Vous, ça vous a fait une vidéo et qui change de ce que je faisais avant. Normalement, la qualité, elle est meilleure. Puis voilà, comme ça, ça reste dans le monde du cheval. Mais voilà, du coup... ça a fait une petite vidéo, vous avez pu voir comment on entraînait un peu. Bah c'est pas une séance type du tout, hein. C'était juste histoire de les entraîner vite fait et tout. Puis c'est leur première sortie à deux, donc comme ça on voyait comment ça se passait. Très bien d'ailleurs. Et malgré qu'il y ait des voitures, le train,
des cyclistes, tout plein de trucs comme ça. Il y a eu des tondeuses, des scies, je crois. Non, pas des scies. Bah, si, des scies électriques, un truc dans le genre là. Mais faut savoir qu'ils sont hyper craintifs. Siska, elle l'est un peu moins, mais elle reste hyper sensible et. Je sais plus le mot que je viens de dire il y a 2 secondes. En gros, elle est hyper peureuse et Apollo, c'est pareil. Tout ce qui est de l'extérieur, ils ont hyper peur. Du coup, c'est assez chiant, mais franchement, là, ils étaient bien. Il y a juste pour l'aller vers le train, c'était un peu. Voilà. Mais après, c'était tranquille. Voilà. Donc, ça fait déjà 5 minutes que je parle. Voilà, que dire de plus? Je ne sais pas. Je sais pas, mais voilà, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, je sais pas, sur les chevaux, voire des entraînements, ou tout simplement que je vous filme petit à petit quand j'essaye de re-aller vers les chevaux, etc. Si ça vous intéresse, bah dites-moi en barre d'infos, n'importe quoi. Bah dites-moi en. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire et bah, je les ferai tout simplement. Et je vous tiendrai au courant bah, si j'arrive à re-avoir confiance. Et voilà, bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!